Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un principe très simple en marketing que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'on ne vous a pas expliqué, et en tout cas, on ne vous a pas expliqué le fonctionnement, pour attirer à vous des nouveaux clients qui auront envie de travailler avec vous pour signer un devis pour un chantier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de principes en marketing qui peuvent vous aider à développer votre entreprise, et ça, je vais essayer d'en parler le plus possible sur cette chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes vraiment intéressé par ça, par découvrir des nouvelles techniques pour acquérir des clients, parce que c'est quelque chose que je vais partager beaucoup, parce que c'est quelque chose que je maîtrise et que j'utilise aussi pour mes clients, donc, et que j'ai utilisé pour moi aussi pendant longtemps. Et c'est en apprenant toutes ces techniques marketing qui vont finalement vous donner un gros coup de pouce à votre activité. Comme vous voyez ici, là pour l'instant, je me suis installé un petit peu dans un coin tranquille. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une petite rivière qui passe à côté de moi. Peut-être que vous ne l'entendez pas, je ne sais pas, c'est pas le plus important. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi, il faut de temps en temps prendre du recul sur vous, sur ce que vous faites pour prendre les bonnes décisions et pas toujours dans la course à faire vos travaux, à faire vos chantiers et à essayer de trouver absolument des gens qui vont signer vos devis. Vous devez un petit peu prendre le temps de prendre du recul sur vous, sur ce que vous faites et regarder un petit peu les opportunités qui peuvent se présenter, les nouvelles techniques que vous pouvez mettre en place pour justement acquérir des clients. Et c'est justement pour ça que je vais vous expliquer une technique qui est assez simple à mettre en place pour votre entreprise, pour trouver des nouveaux chantiers. C'est la technique en marketing de la réciprocité. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, vous l'avez déjà vécu dans votre vie de tous les jours. C'est le principe de donner quelque chose à quelqu'un gratuitement et cette personne, finalement, va se sentir redevable de vous rendre quelque chose, de vous aider, de revenir vers vous pour vous faire plaisir, quoi. Voilà, ça c'est vraiment le principe de base. Alors comment mettre ça en application dans votre activité? Alors je ne sais pas ce que vous faites là, vous pouvez faire plein de choses différentes, mais je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces justement pour mettre ça en place. L'idée c'est qu'en fait que vous puissiez toucher des gens qui sont votre cible potentielle et que cette cible, que ces personnes qui auraient peut-être besoin de vous, finalement, se dirigent plus vers vous que vers vos concurrents. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez fait quelque chose en plus que tous vos concurrents. Vos concurrents, en général, la majorité des entrepreneurs, des artisans du BTP, ils essayent d'aller un petit peu au forceps, au forcing, pour essayer de faire des devis, pour essayer de vendre leurs devis, tout ça. Donc ça, ce n'est pas toujours la bonne façon de faire. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord donner quelque chose à quelqu'un qui va finalement l'aider à avancer vers vous. C'est-à-dire que si la personne a un projet de travaux, l'idée, c'est quoi? C'est en fait, c'est de lui donner des conseils sur ce qu'il peut mettre en place, sur les choix qu'il peut faire, sans forcément intervenir personnellement. Et donc, vous pouvez faire ça avec des techniques très simples sur votre site internet. Vous pouvez par exemple proposer une sorte de guide gratuit pour pouvoir aider les gens à faire des bons choix, à se poser les bonnes questions et finalement à déjà avancer sur leur projet et de se dire finalement, l'entrepreneur ou l'artisan Jean-Michel par exemple, il va donner des bons conseils, mais tiens, je vais peut-être lui demander un devis parce que ses conseils avaient l'air pertinents dans son livre et c'est ça qui m'a permis finalement de me rendre compte des erreurs ou des choix que je vais pouvoir faire. Donc, une fois que la personne a téléchargé finalement le petit guide gratuit que vous avez mis sur votre site internet, elle va le consulter, elle va voir un petit peu comment vous travaillez, vous pourrez vous présenter à l'intérieur, bien sûr. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est que vous allez déjà avoir un premier contact avec ce client potentiel. Et ce client potentiel va peut-être vous recontacter par la suite. Comme c'est un livre qui est gratuit, tout ça, les gens vont finalement le télécharger. Vous, ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte pas en argent ni en temps. Vous n'allez pas aller chez lui lui expliquer tout le livre. Il va le lire lui-même et finalement, il va revenir vers vous s'il a besoin de vous. Et donc ça, c'est vraiment une technique de réciprocité qui est très facile à mettre en place sur votre site internet et qui permet finalement déjà de pré-convaincre un petit peu tous les gens qui auraient téléchargé ce livre. Et ça permet ainsi d'avoir ce premier contact, alors qui n'est pas un contact physique, mais qui est plutôt un contact sur les principes que vous mettez en place pour vos chantiers, pour vos travaux, et qui vous permet finalement de valoriser, de mettre en valeur votre travail à vous. Si vous arrivez à imaginer, à
permettre à 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes de télécharger ce guide gratuit. À votre avis, combien de personnes pourraient revenir vers vous? Alors, moi, je ne peux pas vous le dire comme ça parce que ça va dépendre un petit peu du guide, ça va dépendre un petit peu de ce que vous mettez dedans. Mais il y a bien sûr des gens qui vont vous recontacter. Ce sera peut-être 1, 2, 10, 15, 20 personnes. Mais moi, j'ai déjà testé cette technique-là il y a une dizaine d'années et ça a très bien marché parce qu'en fait, j'ai eu de très bons résultats. Les gens, en fait, avaient déjà l'impression de comprendre ce que j'allais proposer, de comprendre ce qu'ils allaient acheter, parce que c'est ça aussi l'important, c'est qu'ils comprennent ce que vous allez proposer et de se dire que finalement, le prix qu'ils vont payer est finalement le bon prix, quoi. Alors, un autre avantage aussi, c'est qu'à partir du moment où ils ont téléchargé, alors vous pouvez mettre le téléchargement libre ou vous pouvez éventuellement demander l'adresse mail de la personne en échange. Et donc, si la personne laisse son adresse mail en échange, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir éventuellement, enfin, vous allez pouvoir le faire, ou je peux vous aider à le faire, programmer, si vous voulez, une séquence automatisée d'emails. Et dans cette séquence, vous allez pouvoir envoyer du contenu supplémentaire. Alors, ce contenu, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être une petite vidéo d'un chantier que vous faites. Ça peut être une petite vidéo pour un conseil que vous donnez. Ça peut être un petit peu de contenu. Ça peut être quelques images, quelques photos de vos chantiers où vous allez expliquer ce que vous faites. Parce que là aussi, il y a peut-être des choses à expliquer en photo. Vous faites des photos de vos chantiers, vous mettez peut-être les horreurs que vous avez vues. Ça, ils aiment bien les gens. Vous mettez, voilà, j'ai découvert certaines horreurs sur les chantiers que je suis arrivé où j'ai dû régler des problèmes. Et vous mettez ça. Ça va participer finalement à faire monter la valeur perçue de votre expertise dans le domaine. Et tout ça, vous pouvez le faire de manière automatique. Il n'y a pas besoin que vous fassiez ça vous-même. Et c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir un système de prospection automatisée et ça va permettre en fait à des gens de vous découvrir et de comprendre que finalement, vous êtes le bon partenaire pour leurs travaux. Et donc, ils vont plus s'intéresser aux autres. C'est fini, il n'y aura plus de concurrence à ce moment-là parce que les gens vont venir vers vous tellement ils auront été convaincus par tout ce que vous avez partagé. Et le plus beau de tout ça, c'est qu'en fait, tout ça va être automatisé. Vous n'aurez plus besoin, vous n'avez même pas besoin de vous occuper d'envoyer les emails, d'envoyer le livre, tout ça, rien du tout. Ça peut être un livre électronique, bien sûr, on ne va pas faire un livre papier. Vous pouvez faire ça de manière automatisée avec des livres électroniques. Et donc, finalement, les gens arrivent sur votre site, ils téléchargent le livre en laissant leur adresse mail. Et peut-être que dans un mois, deux mois, trois mois, ben, en fait, vous serez toujours dans la tête de ces potentiels clients parce que vous aurez envoyé des mails de manière automatisée. Alors, ce ne sera peut-être pas un mail tous les jours. Hein. Ça pourrait être un mail toutes les semaines. Ça pourrait être un mail tous les 15 jours. Et donc, vous allez continuer à rester dans la tête de vos prospects potentiels de fait qu'ils puissent encore penser à vous d'ici un mois ou deux. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui va vous découvrir aujourd'hui, s'il n'a plus de nouvelles de vous pendant un mois, il va complètement vous oublier. Et donc, avec ce système-là, il ne vous oubliera pas parce que vous allez chaque fois revenir avec des nouveaux conseils, avec des nouvelles informations. Le but, c'est pas de leur dire « achetez chez moi » ou demandez moins de vie, le but c'est leur donner quelque chose et en réciprocité, ils reviendront vers vous naturellement et ils auront envie de travailler avec vous. Il faudra juste évidemment faire le devis correct, il faudra juste faire le prix correct, mais c'est une technique qui est extrêmement efficace si vous voulez développer votre entreprise grâce à Internet. Voilà, j'espère que ce conseil-là, vous allez mettre en application. Si vous ne savez pas le faire vous-même, vous me demandez, je peux mettre ça en place pour vous sur votre site internet de manière automatisée. Et ça va vous permettre finalement de faire grossir de manière un peu automatisée votre système d'acquisition de prospects et de nouveaux chantiers, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.